Bonjour, 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 la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, et on vous avait dit hier que Laï m'a dit allez se rendre en Sierra Leone. Vous voyez déjà, Laï m'a dit, avec un arsenal, le peureux, vous voyez déjà, tout un arsenal en Sierra Leone. Tout un arsenal en Sierra Leone. Tout un arsenal en Sierra Leone. Je vous dirai. Hey! Kabako. Kabako. Vous voyez, ce petit pays voisin à la Guinée, la Sierra Leone, là il m'a dit c'est tout un arsenal, c'est tout un arsenal qui est déployé. Non, le type là, c'est pas la peine. Je sais pas, il y a quoi sur ma page ce matin encore. Regardez, mais incroyable, 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 incroyable. Tu vas dans le pays des autres, tu dois être sécurisé. Mais, hein? Waouh, waouh, waouh. Regardez, hein? Wow! Incroyable, mais vrai. Là, il m'a dit, et tout son arsenal. Vous voyez? Partagez ma page, je ne sens pas ma page ce matin, je ne sais pas il y a quoi. Voilà. Voilà, voilà. Waouh! Incroyable, mais vrai. Vous avez vu, quand je dis le gars, c'est un peureux, l'armée guinéenne, je vous dis le gars, c'est un peureux. Là, il m'a dit, c'est pas parce qu'il est gros. Dedans, là, c'est la peur qui est là. La peur. J'ai cru qu'il allait monter dans l'avion. Je ne sais pas pourquoi on lui a fait peur même. Parce que j'ai dit, quand tu montes là, c'est encore fini. L'armée guinéenne, je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le gars lui-même, il sait qu'il est bandit. Là, il m'a dit, c'est que lui-même, il est bandit. Voilà. Vous voyez, il se déplace avec tous ses éléments. Au lieu de vous lever, fermer la frontière, c'est fini pour lui. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. C'est très simple. Vous prenez tout aujourd'hui. La frontière est fermée. Vous voyez? Il est parti avec tout son arsenal, tous ses hommes de confiance. Mais c'est très simple. Mais vous prenez les Amara, les autres là. L'affaire est finie. Vous proclamez, il va rester en Sierra Leone. Ça, c'est aussi simple. Allez-y, vous prenez les Amara, là, c'est fini. Lui, il reste en Sierra Leone. Mais vous êtes là, vous avez peur. Hein? Le type a peur. Même monter dans l'avion, dans l'hélico, il se dit que non, pop, l'hélico va tomber avec lui. Il a peur de monter dans l'hélico. Sinon, il est militaire. Pourquoi il ne monte pas dans l'hélico pour aller en Sierra Leone? Mais il a peur de tout ça. Tiens, voici des occasions que vous ne devez même pas rater. C'est pourquoi je vous ai donné l'information hier. Parce qu'ils ont peur de vous donner l'information, de donner son programme. Il a peur. Vous aussi, ayez le courage de Toumba. Il faut avoir le courage de Toumba. Sortez dans ça, les gars.
Vous avez peur de quoi? Sortez dans ça. Vous avez toujours peur. Hein? Le bandit vient. Hein? Le bandit a peur de sortir. Maintenant, le bandit est sorti. C'est très simple. L'armée guinéenne. Ou bien vous, vous ne voulez pas être des présidents. Vous ne voulez pas commander aussi. Vous laissez des narcos commander. Et vous voyez que le type, il a peur. Il s'y fout que vous preniez des décisions à la Tumba. Affaire là est finie. Mais vous êtes là comme des peureux. Hé, Nalmalouri. Hé, Tcheya Dusukunedi. C'est pas les âmes. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. Le bandit là en Sierra Leone, son esprit est au palais. Le gars a peur. Aïslana. Mais si vous, vous êtes là en train de tourner autour du pot, vous êtes là à tourner autour du pot. Malgré qu'il se faisait tard, moi je vous ai donné l'information du bandit hier pour vous dire de vous réveiller. Ils ont peur de nous parce qu'on donne les infos. Regardez ma page. Ça fait combien de jours maintenant? Les bandits payent des experts. Les bandits payent des gens pour hacker. Parce qu'ils ont peur. Hier, quand j'ai dit d'autres, non, ceux qui ont dit que non, c'est faux, c'est rentré. Moi, je vous ai dit ici, je ne donnerai jamais une fausse information. Voilà. Je ne donnerai jamais une fausse information. Quand je vais, si je viens dans le live, je vous dis c'est ça. Dites-vous que cela va arriver. Hein? Donc, la famille, c'est ça. Dites à nos militaires de se réveiller. Dites à l'armée guinéenne de se réveiller. Là, il m'a dit aujourd'hui, il a peur. Il a peur où il est aujourd'hui. En tout cas, Souriba Bangoura, il faut des Toumbarek. On a besoin des Toumbarek. On a besoin des Toumbarek. Les Guinéens sont fatigués aujourd'hui des bandits. On est fatigué des bandits. On veut le départ des bandits. Likez. Je vous dis, ils ont peur. Les bandits. Moussa Moïse, votre clan là, vous allez vous fatiguer. Moi là, vous ne pouvez pas me faire taire. Voilà. ARPT ou je ne sais quoi. Vous les bandits là, vous ne pouvez pas me faire taire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de réduire la visibilité. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais moi, me faire taire là. Mon compte, c'est américain. Voilà. Et je vis ici aux États-Unis. Vous ne pouvez rien contre nous. Des démagogues comme ça. Une fois encore, je vais vous montrer. Le bandit. Quand je vous dis que là, il m'a dit était un bandit. Vraiment un bandit. Regardez. Ça là. Tu vas dans le pays voisin de l'autre. On dirait que tu pars pour te battre. Regardez. Tout est national. Hein? Kabako, là, il m'a dit. Tout est national. Regardez. Non, le type là, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Le bandit là. Ah! Non, le type, c'est un bandit ou quoi? Regardez. Hein? Tu vas dans le pays des autres, il y a tout. Regardez. Hein? Waouh! Regardez. Même les Sierra Leoneurs sont étonnés. Même les Sierra Leoneurs sont étonnés. Abaka Djibé Bangoua, bon vendredi à vous. Non, regardez. Ah, tu ne peux pas prendre l'avion pour aller en Sierra Leone. Tu ne peux pas prendre l'hélico pour aller en Sierra Leone. Ah ouais. Ko Alphonse Farah Ifuno, là. Toi, tu es banni ici.
encore un grec. Tous les grecs ont changé sauf toi. Tu es banni ici. Tu vas créer un autre compte pour regarder le général. Sinon, il y a longtemps, les grecs se sont réveillés. Regardez. Hein? Je vous dis un arsenal. Ah, faut des sourires. Hier nuit, quand j'ai parlé, moi je vous dis, je suis dans le secret du palais Mohamed V. Quand je vous donne l'info, c'est ça. Regardez. Tout un arsenal. Voilà. Merci d'avoir partagé la famille, parce que grâce à vous, sinon les bandits, avec les rapports qu'ils font auprès de Facebook, grâce à vous, hein, grâce à vos commentaires positifs, parce que quand ils font des rapports auprès de Facebook, voilà, Khalifa Doumbouya, ils font des rapports à Facebook, nous tenons des discours de nanani nanana, mais grâce à vous, grâce à vos cœurs, grâce à vos partages, grâce à vos commentaires ici positifs, c'est pourquoi tous ceux qui sont négatifs là, je les enlève. Ils ne sont pas nombreux. Donc, eux, le gouvernement, c'est eux-mêmes qui reportent ça auprès de Facebook. Mais malgré tout ça, Facebook ne ferme pas. Mais ils disent qu'il y a des gens qui soutiennent le général. Il y a des commentaires positifs. Oui, parce que si c'était seulement la décision venait des bandits là, mais c'était fini. Ils allaient supprimer nos pages. Mais grâce à vous, vos cœurs, vos likes, les commentaires positifs, les bandits font tout pour vous faire tomber nos pages, mais ils n'arrivent pas. Ils ne peuvent absolument pas. Parce que la vérité triomphe. Mon frère Benito, bonjour. Parce que c'est tout ce qu'ils font. Tout, c'est-à-dire Facebook travaille avec tous les États. Eux, ils sont là-bas juste à signaler, à dire, ceux-ci sont comme ça. On dirait qu'ils sont un gouvernement légal. Des bandits comme ça, là. Parce qu'on leur dit des bandits, des narcos, ça les fait mal. Vous avez vu? Hein? Le bandit est là-bas maintenant à se promener. Qu'est-ce qu'il a apporté au pays? Qu'est-ce qu'il apporte? Un peureux comme lui, aller en Sierra Leone, il prend tout un arsenal. Tout un arsenal. Benito, ton type. Hein? Petit voyage en Sierra Leone. Il y a une vidéo, il fallait écouter. Même dans la vidéo, écoutez les Sierra Leonais. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Je vous dis, hein, les Lyonnais sont étonnés même. Ils sont. Les Sierra Leonais sont étonnés. Eux-mêmes, ils disent, il y a quoi? Les Sierra Leonais, eux-mêmes, ils disent, eh! Eux-mêmes, ils sont étonnés, eh! Tellement que là, ils n'ont jamais vu ça. D'une visite d'un président. Mais comme c'est un bandit, il vient avec tout son arsenal. Parce qu'il a peur. Pour lui, ils vont l'attacher à Sierra Leone là-bas. Hein? Regardez. Non, là, il m'a dit. Vous avez entendu? Le gars dit, c'est comme si nous sommes en guerre, quoi. Pourtant, chez eux, il y a la paix. C'est-à-dire, quelqu'un qui se dit, tu es chef d'État. Tu dis, tu veux aller rendre visite à ton homologue. C'est comme ça que tu dois te déplacer. Avec tout un arsenal comme ça, dans le pays des gens. Regarde, arme de guerre. Hey, hey. Attendez, il y a encore un grec ici, là, tellement que colle les mamous. Moi, je ne sais même pas les. Wallah, les Grecs ne vont jamais changer. Les Grecs, non, ils ne vont jamais changer. Regardez.
incroyable. L'armée guinéenne, ce sont ces occasions pareilles. Vous devez en profiter. Le bandit est sorti pour aller en Sierra Leone. C'est aussi simple. Et les commandants de camp, il faut avoir l'esprit Toumba. Il faut avoir le courage, la détermination. Il faut oser. Là, il m'a dit, n'a pas été élu. Il a manipulé les enfants, les forces spéciales. Sinon, lui-même, il était à l'hôtel. Il avait peur. Vous déjà, vous êtes des promotionnaires. 15 ans, 20 ans, vous travaillez ensemble. Prenez une bonne décision pour le bien de ce pays. Vous savez que les bandits, les narcos ne veulent pas partir. Hey, il est temps pour vous d'avoir ce courage. Non. Levez-vous. Come on. Il faut vous réveiller. Vous aurez le soutien du peuple de Guinée. Il suffit seulement une déclaration. Le bandit n'est plus le président. N'est plus à la tête de la Guinée. C'est fini. Vous allez avoir le peuple de Guinée dans les rues de Conakry. Vous allez avoir tout le peuple dans les rues de Conakry. Comment? Ils sont à la frontière, non? Celui qui prend le pouvoir tout de suite là, vous mettez votre conseil de militaires, mais c'est fini. Les Amara pensent qu'ils sont là-bas et ils ne partent pas. Qu'est-ce qu'Amara peut dire devant l'armée guinéenne? Qu'est-ce que ce petit arrogant peut vous dire? Qu'est-ce qu'Amara va vous dire? Vous allez respecter. Les bandits là vous ont respecté, vous les colonels là, avant qu'eux ne deviennent colonels. Les généraux, ils les ont respectés. Comment, les gars? Il est sorti avec tous ces gens-là. Ce qui veut dire que tous ceux qui le protègent, eux, ils sont sortis. L'armée, vous êtes d'accord. Maintenant, la frontière, vous barrez. C'est aussi simple. Il est sorti avec tous ces hommes de confiance. Le vide est là-bas. Amara va donner des ordres à qui? Vous attrapez Idi Amin et Amara. Affaire est finie. Vous attrapez Idi Amin et Amara. Tiens. Mais vous êtes là, vous avez peur. Ça, c'est aussi simple. Le bandit est déjà sorti. Tous ces hommes de confiance, il est sorti avec eux. Il faut des hommes pour prendre des décisions. Ça, là, on appelle ça cadeau. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau pour vous. Est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Hein? Est-ce que vous avez besoin aujourd'hui d'aller au palais Mohamed V? Non! C'est de bloquer les frontières. Vous avez les chars. Vous avez tous ces trucs-là. Eux, ils ont quoi? Vous dites qu'ils ne rentrent pas. Il va rester là-bas pour aller en France. C'est un légionnaire. Vous avez les chars. Vous les prenez. La route-là, ils ne rentrent pas. C'est aussi simple que ça. Mais vous allez rester dans la peur. Ça devient difficile pour vous. Les camps ne sont pas loin. Vous barrez la route de la Sierra Leone. C'est fini. Vous faites une déclaration. Tout le peuple va sortir. La communauté internationale vous accompagne. Mais vous êtes là dans la peur. Ali Slana, on dirait qu'il a été élu. Vous avez vu le bandit le jour du coup d'État. Comment il allait attaquer? Ils ont fait la déclaration, c'est fini. Mais le bandit n'a qu'à rester en Sierra Leone. Non. Moi, je me demande même l'armée guinéenne. C'est pourquoi il y a de ces sacrifices-là, ne mangez pas. C'est comme si votre courage, on dirait qu'il a enterré votre courage, c'est ça. L'esprit Toumba, courage. Wallah, si moi j'étais dans l'armée, un contingent seulement, on prend des chars, des trucs là, on va, la route de Sierra Leone, le bandit ne rentre pas. Le bandit ne rentre pas, et puis c'est fini. Ah, Amara est qui? Il est commandant. Pour prendre Amara, c'est aussi problème aussi. Hein? Pour prendre Amara, c'est problème. Pour prendre crâne rasé, c'est problème. Vous allez prendre ces gens-là, l'affaire est finie. L'affaire est finie. Hein? Il y a des intellectuels dans l'armée. Il y a des intellectuels dans l'armée. Si c'est le PRAC que vous voulez ramener, vous nous ramenez le PRAC. Si c'est pour prendre le pouvoir, organiser des élections, vous le faites. C'est aussi simple. Parce que c'est du braquage qu'ils ont fait au professeur Alpha Condé. Si c'est le professeur que vous voulez emmener, vous l'amenez. Maintenant, si c'est vous-même qui voulez faire une bonne transition, vous le faites. Mais le peuple en a marre de ces bandits-là. Voilà. On en a marre de ces bandits.
Regardez-moi des bandits comme ça vont venir prendre le pouvoir. Des gangsters. Hein? Malik Samoura. Allez, Djamana, ma fille, Djamana, Wanya Suyami. Kanate, Kan Djamana, Kono, Delu, Bertoroti. Kambere Banu. Hein? Kambere Banu. Toi, Djaraba Doumbouya, là. En tout cas, il faut bien parler. Hein. Tu mets des bêtises, je te bloque. Voilà. Tu mets des bêtises, je te bloque. Hein? Regardez-moi. Toi, Asmaouba qui dit que... Asmaou, ma camarade, moi, si j'étais armé, wallahi billahi, Asmaou, je te dis, le palais Mohamed V, mais j'allais raser de la carte. Depuis longtemps, au moment qu'il dort là, j'allais raser ça et puis c'est fini. L'armée, c'est pas autre chose. Ceux qui disent qu'ils ont les armes, ils n'ont pas les armes. C'est le courage seulement, la détermination. Si les camps là, les commandants décident ensemble, wallah, c'est fini pour le bandit. Il a été élu par qui? Là, il m'a dit, a été dans les camps, ils ont les chars, ils ont tout. Il suffit que les commandants donnent l'ordre, c'est fini. Moi, depuis hier nuit, j'ai donné l'information aux militaires. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit. Le secret du palais Mohamed V, le général 5 étoiles. Tout ce qui se passe au palais Mohamed V, les décisions, je vous ai dit, il allait partir en Sierra Leone depuis hier. Eux, ils n'annoncent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait des dispositions contre eux. Voilà. Mais vous avez vu, le bandit est sorti, paf, la route, avec tout un arsenal. Tout un arsenal. Et ça, c'est le plateau d'or pour l'armée guinéenne. Il est sorti avec ses hommes. Le pays, actuellement, c'est quelqu'un doit se lever, avoir le courage de Toumba. Vous imposez quelqu'un, et puis l'affaire est finie. Là, il m'a dit, ne l'est pas. Si son petit groupe là qui est parti, en Sierra Leone, ils veulent vous combattre, mais c'est ça. Tiens. Vous faites un communiqué, l'affaire là est finie. On veut quelqu'un qui respecte les Guinéens, qui respecte ce pays, mais pas les bandits, pas les narcos quand même. Oh la Guinée-Caille. Il faut que vous réveillez. On fait tout ça pour vous dire que vous avez le soutien du peuple de Guinée. Le coup d'état, l'armée n'avait rien à voir dedans. Moudir Diallo, tu sais, le peuple va chasser et ça va être un mouvement qui n'est pas coordonné. Et quand il y a un mouvement populaire, les soldats patriotes doivent accompagner. C'est pourquoi nous les disons chaque fois d'être prêts. Le jour que le peuple se lève, il y a des soldats qui doivent décider pour dire non, c'est fini. Nous ne voulons pas de bain de sang, comme vous le savez. Donc, on le dit de parti. C'est comme ça. Si vous voyez que le bandit aujourd'hui, il manipule des soldats pour réprimer parce qu'il a peur. C'est tout le peuple aujourd'hui de Guinée qui est en colère contre ce bandit, là il m'a dit. Donc, les soldats, réveillez-vous. 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 Il est temps. Il est temps de vous lever maintenant. Des occasions comme ça, vous ne ratez pas. Tiens, il n'est pas sorti seul ou bien avec cette petite équipe. Mais tout un arsenal. Ces hommes de confiance. Ses amis légionnaires, ils sont tous sortis. Alhamdoulilah, le légionnaire est sorti avec ses amis légionnaires du pays. Maintenant, le pays appartient aux Guinéens. Maintenant, ils vont rester en Sierra Leone. On négocie pour eux. La CEDEAO va négocier pour lui, il va partir. Mais vous êtes là, vous avez peur. On dirait qu'il est légal. Ok, toi Djaraba Doumbouya, tu es banni sur cette page. Je t'ai dit, Mrafal Nyanala Dankadea Yantede. Si tu vas aller supporter ton frère Doumbouya, tu vas sur la page des autres. Ce n'est pas chez moi ici. Alou Fissiri Lom Balilou. Un djamfanté comme ça, un traître comme Doumbouya. Qu'est-ce que le procès n'a pas fait pour lui? Il y a plus traître que ton frère là, Doumbouya. Un malhonnête comme lui. Quelqu'un te lave. Tu ne vendais que la coque chez les autres là-bas. Poudre en Hollande. Il était le garde de corps de l'autre, de Bakala. Le bandit est parti dans la Légion pour avoir les papiers. Même ça, il a eu quoi? Toi, on te met dans l'armée. On t'envoie pour faire des formations. On te nomme à la tête des forces spéciales.
Tout ce que tu as demandé, le prophète t'a donné. Un bandit comme ça, un traître, tu te lèves qu'au nom pour la démocratie. Où est cette démocratie aujourd'hui? Tous les leaders politiques, on ne les a pas mis sous contrôle judiciaire. Allez à la colla dans Kadéa ou que nous, on va avaler vos bêtises là. Vous pensez que nous sommes traîtres comme vous? Un malhonnête comme ça, on fait tout pour eux. Un bandit vient braquer le procès Alpha Condé, qu'on a troisième mandat. Et le bandit était là, il était en campagne avec nous. Et le bandit a été nommé par le procès Alpha Condé. Pourquoi il n'a pas dit, non, je ne suis pas de ce gouvernement? Un traître comme ça, là, elle n'y l'a pas, madame Kamfola, en Niakoro. Là, il m'a dit, n'est qu'un traître, Djamfanté, Fissiri Lombali, oui, Olé. Il est légal pour vous? Il est légal pour vous? Il n'est pas légal pour nous. Hein. C'est un bandit jusqu'à preuve contraire. Le procureur n'a pas démissionné. Moi, je vous avais dit, le jour que je vais entendre le procureur a démissionné, c'est fini. Je ne vais plus parler de là, il m'a dit. Le jour où je vais avoir la lettre de démission du procureur Alpha Condé, ou bien une déclaration du procureur Alpha Condé, wallah, je ne vais plus dire le nom de là, il m'a dit. N'allant pas trop fort. Mais tant que le procureur n'a pas démissionné, pourquoi ils étaient contre derrière le procureur Alpha Condé de démissionner? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est lui le président. Pourquoi on le forçait de démissionner? Il n'a pas démissionné. Donc, dans le cas Coco, de les reconnaître, si on avait, comme dans tous les autres pays, nous montrer la lettre de démission du professeur Alpha Condé ou la déclaration du professeur Alpha Condé qu'il démissionne, mais là, c'est fini. Mais un bandit comme ça, là, moi, je vais le reconnaître. C'est un bandit. C'est un gangster, là, il m'a dit. Charles Wright n'a pas dit que si il est homme, il n'a qu'à porter plainte contre quelqu'un. Voilà, toi, Ko, Momine Touré, toi aussi, tu es banni ici. Allez, dans le cas de nous. Vous êtes combien ici? Fissiri Lombalilou. Un bandit comme ça, là. Fissiri Lombali, il y a un kakoke, Ko, dans le cas de nous, Koko, qui a aussi tenu. L'ancien raconte, a fait combien d'années ici? Père à son âme. Fais général, l'ancien raconte, combien d'années? 24 ans. Manka Dema Ouri Kalamaloya. Fla Dema Ouri Kalamaloya. Bresse Dema Ouri Kalamaloya. Soso Dema Ouri Kalamaloya. Fisiri Lombalilu, Kaluta Kakobe Kalunye. Aliena Djamfasuya, Mikeko Danka Lano Koko Kalu Souteni. Des malhonnêtes comme ça, là, qu'on va les soutenir. Allah Moya du Matimini Procès Tala. L'hôpital Donka, c'est qui? C'est pas le procès Alpha Condé? Tous les échangeurs qui sont en train de faire le financement, c'est grâce à qui? La route nationale, c'est qui? Là, il m'a dit, va faire quoi de mieux que le procès Alpha Condé? Politiquement, où est Selou Dalé aujourd'hui? La maison de Selou est où aujourd'hui? Sylvia Touré est où aujourd'hui? Les Fonike Mangue sont où aujourd'hui? Un bandit comme ça vient se flanquer. Et quoi, il y en a que nous, on va le soutenir. Il a fait quoi de mieux que le procès Alpha Condé? Les bandits sont en train de piller l'économie du pays. Il a fait quoi de mieux que le procès Alpha Condé? Que Danka là, nous, quoi? Que nous nous sommes maudits d'accompagner ce bandit-là? Un vaurien comme ça, là. Combien d'emplois il a supprimé? Combien de familles sont en train de pleurer aujourd'hui? Regardez-moi des vauriens comme ça. Vous savez combien d'agriculteurs, de planteurs aujourd'hui qui sont en train de pleurer à cause de ces vauriens, des tonneaux vides qui sont là? Allez, nous l'homme, manamana, kamfola, fissili l'homme, balia, kumaoye. Il est président de qui? Le bandit a été élu par qui? Un bandit de grand chemin comme ça. Un gangster. Mais, à la bête, il y a un demain. Anye wama. Et, quand on le fait, à la tête du tout nonoro. À la tête du tout nonoro. Je vous ai dit. Si vous voulez que je ne parle plus de ce bandit-là, allez-y demander au professeur Alpha Condé de démissionner. Là, vous envoyez la lettre de démission ou bien la déclaration du professeur Alpha Condé qui dit qu'il a démissionné, il a laissé le pouvoir dans la main des bandits. Là, moi, je ne vais plus parler. Émile Kogomou, c'est ce qu'on demande à l'armée guinéenne. Ils doivent se réveiller. On veut une armée qui peut rassembler les Guinéens, mais pas pour diviser. Une armée qui doit respecter nos élites, mais pas pour diviser les Guinéens. Des bandits comme ça, un petit clan seulement. Je vous dis, ce n'est même pas l'armée. Hein. Ils sont en train de traumatiser notre armée. De la manière la population est traumatisée, c'est comme ça l'armée. Mais moi, j'en veux à l'armée, parce que c'est eux qui sont armés. Nous, on n'est pas armés. Si le peuple était armé depuis longtemps, les bandits là auraient dégagé. Si le peuple était armé comme eux. Après, on nous dit, on n'a pas les gazarmes. Dans vos camps là-bas, vous avez les chars. Et vous avez les hommes. Vous êtes là-bas pour défendre. Au lieu de vous assumer, Idi Amin et un petit clan viennent vous malmener. Tiens, hey, prenez des décisions.
Le pays là doit avancer. On ne peut pas accepter des narcos. Regardez, chaque jour, c'est des saisies de cocaïne. Je vous ai dit ici, les États-Unis, ils ont piégé les Gawa. 3 tonnes de cocaïne. Ils ont dit dans le bateau là, c'est cocaïne. C'était pour les... Moi, je vous ai dit, le coup d'État, c'était à cause de la drogue. Les gens n'ont pas compris. Avant le voyage du professeur Fakonde, pour la Turquie, vous savez ce qui se passait. Son retour net, bam, coup d'État. Les Américains n'ont rien dit. Ils ont attendu. C'est-à-dire pour essayer de voir clair dedans. 3 tonnes, j'ai dit bien, de cocaïne, ils ont mis dans un bateau. Et les bandits ont pris. C'est là que vous avez vu Charles Wright pour dire qu'ils sont en train de brûler. Je vous ai dit, oulez, c'était poudre de manioc. Et aujourd'hui, c'est ce que les bandits sont en train de faire sortir petit à petit. Et ils sont en train de mettre la vie des filles, surtout ivoiriennes, en danger. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, les blogueurs de la Côte d'Ivoire, dites aux filles ivoiriennes d'arrêter de venir en Guinée prendre la drogue pour aller au Maroc, en Tunisie, en Malaisie ou je ne sais, à Dubaï. Wallahi, si on les arrête, c'est à vie. Elles vont rester à vie là-bas. En Malaisie même, il n'y a pas condamnation à vie. C'est comme ça, tchop. En Malaisie, eux, ils n'ont pas le temps de garder les gens. Ils font tchop en Malaisie. Donc, dites à vos soeurs ivoiriennes qu'on manipule là-bas, en Côte d'Ivoire. On leur perd le billet d'avion, vient en Guinée, quoi. Dites-les d'arrêter de venir en Guinée. Actuellement, la Guinée est devenue le carrefour des narcos. Ils ont beaucoup de quantités là-bas. Et c'est les petites, c'est les filles là qu'on paye. 3 kilos, 10 kilos pour faire sortir. Pardonnez, dites à vos soeurs de rester chez eux. L'argent là, elles ne vont pas avoir dans la facilité comme ça. Donc, dites à vos soeurs de rester pour vendre à Tchéké. C'est encore plus mieux que de venir, on leur promet 50 000 dollars, 40 000 dollars. Chaque semaine, on arrête des Ivoiriennes. Chaque semaine, on arrête des Ivoiriennes en Guinée, à l'heure là. Chaque semaine, on arrête des Ivoiriennes. Pardonnez, les blogueurs de la Côte d'Ivoire, dites à vos soeurs ivoiriennes d'éviter la Guinée actuellement. D'éviter la Guinée. Elles sont devenues des cobayes actuellement. Parce que ce sont eux qu'on paye, il faut faire passer. Je vous dis, les narcos là, leurs soeurs, jamais. Leurs soeurs ne vont jamais faire ce boulot là. Les narcos ne vont jamais utiliser les membres de leur famille. C'est des personnes inconnues qu'ils croisent, qui disent, ah, je vais te donner ça. On vous donne un peu d'argent, vous êtes excité. On vous dit, le voyage, c'est facile, on met dans un sac, vous êtes content. Mais hey, les conséquences, wallah, les Arabes, ils vous prennent, c'est à vie. Vous n'allez même pas sortir. Même nos États, là, même le président Alassane ne pourra pas demander votre libération. Même le président, même, et on prend les Américains. Ils prennent les Américaines même. Les États-Unis ne peuvent même pas demander leur libération. À plus forte raison, la Côte d'Ivoire ou la Guinée. Donc, on vous dit, pardonnez, nos sœurs, là, restez chez vous. Le réseau, là, on vous envoie à l'abattoir. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, la famille, comme je vous l'ai dit hier, là, il m'a dit, le bandit, il devait se rendre en Sierra Leone. Donc, tous ceux qui ont dit hier, oh Damaro, moi je vous ai dit, le jour que je vais dire qu'ils ont attrapé Laïd Madi, ou le jour qu'ils vont dire, je vais vous dire, ils ont fini avec Laïd Madi, ne cherchez même pas à tourner. Voilà. Donc, même quand j'ai entendu des gens dire dans ces 2 jours-là, ils l'ont attrapé, je ne faisais que rire. Je serai l'une des personnes, les premiers à être informés par l'armée guinéenne. Je vous ai dit, je suis le porte-parole de l'armée guinéenne. Le jour qu'ils vont mettre main sur Laïd Madi, je serai l'une des personnes à être informée pour dire Damaro Ambrila Tchemina. Damaro Ambrabeila Tchela. Ça, je vous le dis. Donc, ceux qui viennent souvent vous dire ici, ils l'ont attrapé, nanani, nanana, benite là. Nous, ce qu'on n'a pas dit. Voilà. Merci à tout le monde.